Le sort semble s'acharner sur Camilla. Après le cambriolage dont a été victime sa mère il y a quelque temps, la belle brune s'est fait voler la voiture qu'elle venait d'acheter. Bouleversée, elle a partagé sa peine à ses abonnés. Les deux tourtereaux renoncent à la télévision. Les fidèles fans des émissions de télé-réalité connaissent très bien Camilla et Noré. Les deux tourtereaux révélés dans Secret Story ont rapidement conquis le cœur du public, eux qui étaient déjà heureux en couple avant l'émission. Après des années d'absence à la télé, le couple a fait leur grand retour en 2022. En effet, les deux tourtereaux faisaient partie des candidats de la saison 1 des 50. Toutefois, leur comportement dans ce jeu a énormément déçu les fans. D'après eux, le couple était beaucoup trop compétitif et cela lui a valu de nombreuses critiques. Camilla@dr face à ce flop, Camilla et Noré ont pris une décision radicale. Comme l'avait révélé la belle brune sur les réseaux sociaux, elle et son chéri ne participeront plus à des émissions de télé-réalité à partir de maintenant. Je sais désormais que mon monde, c'est ma famille, mon mari, mes enfants, mes amis et mes réseaux sociaux, a-t-elle déclaré. Leurs fans ne les verront donc plus ni dans les 50, ni dans d'autres programmes télévisés. Camilla en pleurs, on lui a volé sa voiture. Très active sur les réseaux sociaux, Camilla partage son quotidien avec ses abonnés. Récemment, la jeune femme a fait part d'une très mauvaise nouvelle. Elle a annoncé qu'on leur a volé la voiture toute neuve qu'ils venaient d'acheter il y a à peine un mois. Un véhicule dans lequel se trouvaient les affaires de leurs deux enfants, à en croire les révélations de Camilla. Le vol a eu lieu quelque temps après le cambriolage chez sa maman. Ils sont venus jusqu'à chez nous, je suis écœurée, a-t-elle déclaré. Espérons que les malfrats seront retrouvés par la police le plus tôt possible pour que Camilla et sa petite famille puissent oublier rapidement cette mauvaise expérience.